Yo les amis, comment ça va? C'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Alors franchement, c'est une petite vidéo blabla hein, comme tu as l'habitude d'avoir sur la chaîne, d'autant que je pense qu'on va avoir une fin d'année plutôt sympa. Et je me suis amusé comme ça à regarder, parce que c'est vrai que 151, je t'ai fait la review hier, des différents prix du scellé hein, qui va, on va dire, pour un coffret le plus classique à la Kazam à 40 euros. Jusqu'à l'item qui a le mieux fonctionné, on est aux alentours de 150-160 euros pour le TB. Alors évidemment, c'est une série qui est récente, mais ça ne veut pas dire que la progression sera linéaire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut évidemment pas songer. Il y a des séries qui ont fait des ups très rapidement et après qui plafonnent aussi. Par exemple, 25 ans, je ne suis pas certain que 25 ans, tu vois, chaque année, la série va progresser. C'est bien ça qu'il faut imaginer. Alors, je me suis amusé à regarder un petit peu toutes les séries, les ETB par exemple, et j'étais ultra, ultra surpris. En ce moment, on va parler des deux items les plus, on va dire, je ne parle pas des displays, c'est un item qui m'intéresse vraiment pas, mais il y a deux items que j'aime bien, c'est l'ETB et le booster scellé. C'est pour ça que je me suis attardé sur ces deux items. Booster scellé, et ETB. Et j'ai regardé un petit peu toutes les ETB en vente, enfin les ventes réussies, hein. Grosso modo, je ne me suis pas trop cassé la tête, je t'avoue, mais j'étais tellement surpris de voir des ETB qui, au fond, franchement, ne sont pas exceptionnels, partir à des prix, je dirais, assez importants. Tu prends par exemple une ETB point de fusion. Voilà, alors c'est vrai que esthétiquement parlant, elle est jolie, le TB point de fusion, t'as Mew dessus, mais enfin, faut rappeler quand même qu'on est sur épée bouclier, on est sur une série qui est hors point 5, on n'a que 8 boosters. Et voir que point de fusion ETB part aux alentours de 130 euros, bah, j'ai trouvé ça assez lunaire, quoi. Franchement, 130 euros pour une ETB point de fusion. Donc tu sais que franchement, c'est pas la série qui est supportée par la valeur des cartes. C'est pour ça qu'on reviendra sur 151. C'est particulier 151, il ne faut pas se tromper. Donc c'est une série qui est très compliquée puisque ok, il y a des belles cartes à l'intérieur, mais ça drop tellement mal que du coup l'espérance qu'il y a derrière un booster est plutôt faible. Donc tu ne peux pas dire que la série elle est supportée par le prix des cartes. Et pourtant, tu as une ETB à 130 euros. Et puis, alors évidemment, l'ETB très récente hein, de Salamèche qui part à plus de 100 euros. Là aussi, c'est très surprenant. C'est toujours comme ça. D'autant que EV3, c'est une série que tu peux trouver pour pas cher du tout. Il y a encore même des boosters scellés, boosters individuels hein, scellés. Hein, donc la Rolls-Royce de l'item scellé chez Stokomani pour 5 euros. Autant te dire qu'il faut y aller. Hein. Au vu de la tendance actuelle sur le scellé, si tu as de la chance d'avoir du EV3 chez Stokomani à 5 euros, vas-y, hein, parce que ça va être de pire en pire si cette tendance perdure. Et à mon sens, elle va perdurer, c'est un petit peu la valeur refuge de Pokémon, tu vois, la valeur la plus stable de Pokémon, et on sait qu'on est maintenant à un marché de collectionneurs, investisseurs, et très axé sur le scellé. Ça ne veut pas dire qu'un jour ça ne changera pas, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est très ancré. Et même si ça devait ralentir, je n'imagine pas que cette tendance qui s'est installée maintenant depuis un petit moment risque de changer. Je ne pense pas. Franchement, je pense qu'on est parti sur plusieurs années, voire même plus, d'une collection scellée. Ça, c'est assez clair. Avant, ce n'était pas la même histoire. Maintenant, quand on voit le rouleau compresseur scellé, c'est-à-dire que tout monte, mais alors tout, hein, c'est ça qui est assez impressionnant. Je t'ai parlé de points de fusion en ETB, mais on aurait pu voir une ETB star étincelante, une ETB que tout le monde pouvait trouver. Il n'y avait aucune difficulté à cette époque. On était passé après la hype, on était en 2021. Bon, c'était plutôt... Non, 2021 ou 2022 oh. Je ne sais plus exactement, mais enfin... Non, on était en 2022, il me semble, pour star étincelante. Enfin bon, ça ne changera pas le contexte. On était après la hype. C'était à 25 ans, c'était le sommet. Et à partir de Star Instant, ça a été la fin de la hype. Donc là aussi, une ETB à 130 euros. Et là aussi, tu n'as que 8 boosters. Il n'y a pas de carte promotionnelle. Il n'y a rien dans ces ETB. Que 8 boosters, faut pas non plus se tromper. Et en plus, les boosters Star Instant, tu peux encore les trouver. Tu peux le voir dans ces duo packs, par exemple, avec Star Instant et Origine perdue. Donc ça, c'est assez fou. Les ETB ont énormément progressé. On pourrait regarder aussi l'ETB avec Giratina dessus, donc Origine perdue. Elle aussi, elle a bien progressé. Je pense qu'elle doit être aux alentours de 230 euros. Donc ça, c'est un constat assez général qui fait que bah, l'ETB,
le TB a tendance à progresser. Puis je ne parle pas des TB des Vos Célestes, ETB 151. Évidemment, on l'a déjà dit, ETB 151, mais c'est une série qui est très jeune. Mais la problématique n'est pas la même sur 151. Il ne faut pas mélanger, on va dire, les choses. Là, on est sur 8 boosters. Là, on est quand même sur 9 boosters. En plus, on a une carte promo. Et on a une série qui est supportée par la valeur des cartes. C'est ça la grosse différence. On développera peut-être un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Donc c'est vrai que les ETB performent. Et d'ailleurs, je pense qu'une ETB qui est encore bon marché, c'est EV2 avec Pikachu, les starters. Je pense que cette ETB-là, elle aussi, elle va monter. Il n'y a pas de raison, tant que cette tendance de fond est vraiment, vraiment installée, ça puisse changer. La Salamèche va continuer à augmenter petit à petit, hein, parce qu'en plus elle a des atouts que n'ont pas épée bouclier fin de bloc. Hein. On peut regarder aussi Zénith Suprême, hein, 110, 120 euros et ainsi de suite. Là aussi, c'est des ETB qui devront continuer à augmenter. Et c'est vrai que EV2, EV3 sont des ETB qui fondamentalement sont plus intéressantes que celles d'épée bouclier, surtout celles de fin de bloc épée bouclier. Principalement celle d'après la hype, c'est ça qui est important. C'est-à-dire dont la disponibilité était ultra présente. Il n'y a pas de difficulté à trouver les ETB à partir de Star Étincelante. Franchement, j'en ai pas vu hein, de difficulté. La problématique, c'est pas la même, c'est que tu as 8 boosters, là tu en as 9. Tu as une carte promo, tu n'as pas de carte promo. Donc je trouve qu'il y a un potentiel évidemment plus accru sur les ETB comme EV1, EV2, EV3 et même les autres. Après, bon, il y a des ETB, c'est un peu plus particulier, on est d'accord, sur Mascarade Crépusculaire. On peut être plus réticent parce que la carte promo, elle est pas... Attends, la carte promo de Mascarade Crépusculaire, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'elle est pas ouf. Et puis, c'est pas très grave puisque tu peux avoir du Mascarade Crépusculaire à 40 balles. Donc au final, c'est quand même intéressant. Et tu imagines bien que cette ETB, elle va augmenter un peu comme Pokémon Go. Rappelle-toi, personne voulait l'ETB Pokémon Go. Et maintenant, petit à petit, tu vois, elle commence à progresser. On est à 70 euros. C'est pas grand-chose, 70 euros. Mais tu t'aperçois que même sur des séries où il y a eu un stock énorme, personne n'en voulait. Ben ça monte quand même et la demande se fait par la suite. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que oui, 151, elle a fait un up très rapide, mais ça ne veut pas dire que plus tard, elle va continuer à augmenter comme certaines ETB vont faire, par exemple. Si ça veut, c'est pure spéculation. EV3, donc Salamèche, ETB, performera plus dans le temps que 151. Donc c'est ça qui tu vois, c'est compliqué de voir cette tendance de fond. C'est ça qui est assez fou. Et puis, tu as les boosters scellés individuels. C'est le même combat, c'est pareil. Alors, ultra surpris de voir des boosters scellés, bah, par exemple, point de fusion, partir à 10-15 euros. Ah, ça, je trouve ça assez hallucinant. Là aussi, franchement, on est sur des boosters qui étaient facilement trouvables. On en a trouvé plein. Et puis, même plus récent, du Star Étincelante qui partent eux aussi à 10 euros le booster scellé Star Étincelante. Je ne serais pas surpris de voir ces boosters origine perdue. Tempête argentée plus tard. Tempête argentée, c'est celui qui est encore accessible, il me semble. Comme astre radieux, ça va monter à 10-15 euros. C'est pour ça que je t'avais dit, par le passé évidemment, que tôt ou tard, on ne sait pas quand évidemment, mais un booster à 10-15 euros, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et tu l'observes de plus en plus. Là, je t'avoue, j'étais plutôt déconnecté de la valeur de tous ces items. Et puis quand tu vois que les boosters scellés du style de combat, du règne de glace, c'est 10-15 euros le booster sous blister, attention, hein, je dis bien sous blister, bah, je trouve ça assez fou et tu verras que ça sera exactement pareil. Et d'ailleurs, on voit même du EV3 partir à 7, 8, 9 euros du EV3, flamme obsidienne. Donc ça, c'est assez fou aussi, alors que tu peux encore en trouver... Comme j'ai dit, hein, c'était un Stokomanie à 5 euros. Donc moi, je te dis, cette tendance, elle est vraiment ancrée. C'est vraiment Pokémon, c'est très, très lisible en ce moment. On ne sait pas quand ça va monter, hein, ça c'est une autre problématique. Mais on sait très bien que si tu as un temps long, tu sais très bien que tes items vont s'apprécier avec le temps si tu te focalises sur grosso modo. Alors, je ne vais pas parler de la display, mais ça sera le même combat, hein, la display. D'autant qu'il y a un intérêt supplémentaire à la display, ce sont les box breaks, trucs ludiques, etc. Mais c'est vrai que le booster scellé individuel, c'est vraiment le top. Ça prend pas de place, c'est un petit budget de départ et ça s'apprécie petit à petit, tranquillement, mais sûrement. Et c'est assez incroyable. Maintenant, comme je te disais, 151, pour moi, c'est une particularité. Déjà, c'est une série 0.5, donc tu ne retrouves pas de booster individuel scellé. C'est un petit peu dommage parce qu'on sait que
ça aurait évidemment bien fonctionné, ça j'en doute absolument pas. Et pourquoi c'est une petite particularité, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper non plus, c'est que 151, le booster est supporté par la valeur des cartes. Qu'est-ce que ça veut dire supporté par la valeur des cartes? C'est tout simplement qu'il y a, on va dire, un intérêt à l'ouverture, ou du moins il n'y a pas un désintérêt à l'ouverture, comparativement à d'autres séries. Tu prends une ETB EV3, par exemple EV3, Salamèche. Évidemment qu'il n'y a pas un support des cartes qui est intérieur, puisque l'espérance mathématique d'un booster, c'est 2 balles. On ne doit pas être très loin des 2 euros. Donc forcément, on est bien déconnecté. Le TB à ta 100, 120 euros, donc on est bien déconnecté. Or, sur 151, la valeur intrinsèque du booster, c'est l'espérance mathématique, c'est à peu près 7 euros. Donc on est 3 fois plus haut, on va dire grosso modo, que du EV3. Donc il y a une série qui est plus ou moins supportée par la valeur des cartes, qui est 151, mais il y a une série qui est absolument pas supportée par la valeur des cartes, et on pourrait mettre ça pareil pour point de fusion. Je pense pas que l'espérance mathématique point de fusion soit très haute. On doit être grosso modo à 3 euros, 2,50, donc le truc classique, tout comme style de combat, reine de glace, toutes ces séries-là ont des belles cartes, mais c'est tellement compliqué à faire tomber ces cartes-là que, au fond, l'espérance mathématique est faible. 151, c'est une particularité. Tu as malgré tout un support, un petit peu comme cette de base. Hein. Cette de base, il y a toujours un support assez fort, d'ailleurs plutôt fort même pour cette de base comparativement à d'autres séries. Donc c'est ça qui est un petit peu différent. Pour l'instant, au fond, on n'est pas si éloigné à la valeur du booster. On peut trouver des coffrets à 40-45 euros, ce qui fait grosso modo une dizaine d'euros du booster, pour une espérance à 7 euros, donc on est relativement proche. Donc au final, il n'y a pas une grosse déconnexion, il y a une déconnexion évidemment, pas une grosse déconnexion par la valeur intrinsèque du booster. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper un petit peu sur 151, on a l'impression que c'est énorme ce qu'a fait 151. Oui, c'est énorme par rapport à son prix de base et la durée, mais en même temps, il y a quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, hein, c'est d'avoir un taux aussi haut. Déjà, le taux est très bon, et des valeurs de cartes très haut avec les full art et les AR. Donc c'est vraiment une particularité, 151. Mais enfin, attends, il n'y a pas de souci. On voit bien Destinée Radieuse, qui est une série qui n'est pas ouf au final. Ben, les ETB progressent. Je ne parle même pas de La Voix du Maître, qui est une série catastrophique. Donc là, il y a une déconnexion massive entre le prix du booster, tu vois. C'est cette logique-là. On va voir si 151, à un certain moment, prendra la tangente. Ça sera intéressant de suivre. Comparativement à d'autres séries. Donc oui, en tous les cas, je pense que le constat est très très simple. Si tu peux trouver des boosters pour pas trop cher, d'ailleurs j'ai même été surpris, petite parenthèse, hein, tu vois des boosters scellés de origine antique à plus de 200 euros. Mais attention, plus de 200 euros du origine antique. Là, je t'assure que c'est complètement déconnecté du prix des cartes. Tu vois des boosters offensive vapeur à plus de 30 euros. Non, c'est assez fou. 30-40 euros, c'est assez fou. Le prix du scellé sous blister, moi, je peux que vous conseiller, hein, si vous voulez avoir une belle collection qui augmente avec le temps, c'est d'aller chasser les petits boosters scellés, d'autant en promo. Souvent, tu vas pouvoir en trouver en promo, même les séries récentes, du EV8 à tous les coups. Quand on n'aura plus des EV8, bah, ça marchera. Ça paraît impensable. Un EV8 avec du Pikachu en illustration, du Latios Latias en illustration, tu n'imagines pas que cette série-là, dans les années à venir, ne puisse pas progresser à 10 euros puis 15 euros. Tu ne l'imagines pas. Alors, si tu l'as au prix de, on va dire, entre 5 et 6 euros au prix sorti, bah, c'est évidemment, c'est top, parce que tu ne peux pas l'imaginer. Il y aura une demande qui sera telle qu'au final, on aura en tête de dire, bah, au final, 10-15 euros, c'est pas si cher pour un booster. Puisque tout est tellement entraîné à la hausse, on aura des boosters encore plus chers pour du Evo Céleste, encore plus chers pour du Star Étincelante, et ainsi de suite. Tu le sais très bien, on a toujours tendance à combler le vide, et c'est ce qui se passe avec XY. XY n'a jamais été aussi haut que maintenant. Donc du coup, ça s'est reporté sur Soleil et Lune, et à un certain moment, ça se reportera sur Épée Bouclier, parce que ça a déjà commencé, hein, avec tous ces petits boosters à 10-15 euros, du Règne de Glace, style de combat, tous ces points de fusion, qu'au fond, on en avait beaucoup quand même de disponibles. Et puis, ça va se décaler petit à petit, évidemment, sur toutes les séries de Écarlate et Violet, dont les séries les plus populaires, évidemment. Et puis, n'oublie pas, ça aussi, c'est notable, c'est que l'illustration du booster, non pas les cartes qui est à l'intérieur d'une série,
Parce qu'il y a une déconnexion. Tu le vois, hein, Origine Antique, et même d'autres séries hein, plus récentes, parce que tu me diras, la quantité de boosters qui circulent n'est pas la même, mais c'est sûr, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Je n'imagine pas du EV à tutoyer les 250 euros, on n'en est pas là. Mais du EV à 10, 15, 20 euros, c'est quelque chose d'atteignable. C'est ça qui est important. Et l'illustration fait une grosse différence. Quand tu vois par exemple du Origine Antique, l'illustration la populaire, je crois que c'est le Megara Rayquaza ou quelque chose comme ça. Et derrière, c'est le Oupa, c'est. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me souviens plus. Je crois qu'il y a du. Même le Tyrannosif est en dessous. Et je crois qu'il y a un Primo Groudon. Voilà, en tête, c'est Primo Groudon et le Megara Rayquaza. Voilà. Donc tu t'aperçois que l'illustration compte énormément. Donc là, j'ai envie de te dire le truc simple à faire. Stokomani. Puisqu'il y a encore de la dispo du EV3, bah, tu prends des boosters Dracaufeu. Voilà. Tu sais pertinemment que ça va progresser. Tout comme Star Étincelante, tu prends des boosters Dracaufeu et ainsi de suite. Enfin, si tu arrives à en trouver encore. Parce que moi, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs. J'avais acheté pas mal de boosters individuels, principalement des Dracaufeu, dont on sait que c'est l'item qui va le plus performer. Moi, de mon côté, alors, tu as vu hein, le petit short que je t'ai fait. Moi, tu vois, ça m'intéresse plus les coffrets. Et puis bon. Je fais pas de l'achat-revente ou des choses comme ça. Il y avait des petits coffrets V-Star, Givrali et Philali. Ça a été des, enfin, en fait, ils ont rangé un petit peu le stock dans mon carrefour. Ils ont retrouvé, je crois qu'il y avait quatre coffrets. Et ils les ont proposés à 25 euros, ce qui est moins cher que le prix qu'ils avaient sorti à la base. Je m'en souviens, je crois que c'était 30 euros. Et c'est plutôt intéressant parce que tu avais des anciennes séries, du coup, je crois que c'était du style de combat, du règne de glace, etc. Enfin bref, non, point de fusion. C'était du point de fusion et du Star Étincelante. Bon, des bonnes séries, mais tu vois, je ne les ai pas pris parce que je me suis dit ça fera plaisir à quelqu'un et j'espère justement que ça a pu profiter à quelqu'un qui n'a pas. Moi, je les ai dans ma collection en CD, puis je te dis, moi, les coffrets m'intéressent plus, ça prend trop de place. Je dirais volontiers sur les duopacks. Ça, c'est pareil, c'est des petits duopacks, tu sais pertinemment, mais pertinemment. Que c'est des petits duopas qui vous rendront 15, puis 20 euros, puis 25 euros, puisque bah, c'est origine perdue, c'est Star Étincelante. Et moi, je les ai eus à 9,60. Donc, tu imagines 9,60 ces petits duopas. C'est compact, c'est joli. Bon, on aurait mis une carte promo plus sympathique ou alors des boosters plus lisibles, c'est vrai. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai réussi à faire. Alors, je ne sais pas si ma préco, elle va être validée, hein, mais j'ai fait une préco chez Micromania, parce que c'était exclusif pour ceux qui étaient carte premium, c'est mon cas. 40 euros, là aussi, bon, bah, c'est top. Comme je t'ai dit, pour moi, 151, ce n'est pas une série classique. Donc l'évolution de cette série-là se fera peut-être pas de la même manière. C'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'au fond, quelque part, elle est plutôt sous-cotée par rapport à l'espérance ou la valeur intrinsèque du booster par rapport justement au hit. Que tu peux faire tomber. C'est ça qui est intéressant sur 151, c'est que. Alors, est-ce que c'est à double tranchant? Est-ce que au final, le prix de même ça, je crois que c'est 70 euros, c'est presque pas cher comparativement au taux de drop, parce qu'il ne faut pas se tromper, le taux de drop est très bon. Il y a eu des ouvertures de plus de 2000 boosters, c'est plus fiable que ses propres ouvertures de 100 ou 200 boosters. Moi, j'ai eu des tirages de zinzin sur 151, mais ça sert à rien de parler de ses propres tirages. On va regarder ceux qui ont ouvert 2000 boosters et ils ont fait un petit topo. D'autant qu'en plus, on joue beaucoup sur les AR et les full art. Et les AR et full art, le taux ne change pas. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est que AR full art, comme je te dis, c'est à peu près 15%. Et c'est ce qui, dont l'espérance est la meilleure. 2,50 pratiquement pour ça. Donc forcément, c'est une série particulière. Ça sera peut-être plus dangereux sur cette série-là si on commence à voir, non pas les AR, parce que j'imagine pas les AR tellement diminués, parce qu'on a vu les AR ont un potentiel intrinsèque très fort, même sur d'autres séries, mais je verrais plutôt les full art diminuer. Donc, bon, ce n'est pas le cas, hein, attention, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais on verrait peut-être plus les full art diminuer, en tous les cas, sur cette série-là, parce que je trouve que les full art, pour le coup, tu les payes cher, ce n'est pas mérité. Et du coup, est-ce que ça pourrait impacter le CD? On n'en sait rien, mais il y a un petit support quand même. Qui est là pour 151 comparativement à d'autres séries. Bon, bref, j'ai trop parlé, comme d'habitude. Moi, de mon côté, je vais continuer, comme je t'ai dit, les coffrets, je les mets de côté, hein, tu le sais, comme les coffrets Amphinobi et Hyporoi, qui sont des magnifiques coffrets. Ok, 6,5, c'est de la daube. Enfin, de la daube, ce n'est pas mon avis personnel, hein, c'est l'avis global, ça ne se vend pas, on est d'accord. On aura peut-être des belles promotions sur 6,5, ça sera l'occasion bah, d'acheter. Les coffrets Scalpereur, je les vois bien à 10 balles, tellement ils sont compliqués à faire partir.
Il y en a même qui les proposent déjà à 18 euros, donc on les verrait peut-être à 12, 13, 14 euros. Enfin, ça, c'est pas impossible. Les bundles, c'est pareil, ça part pas. On les voit déjà en boutique entre 25 et 30 euros le bundle. C'est quand même assez fou. Donc, on imagine des bundles à peut-être même 15, 20 euros. C'est pas inimaginable dans les mois à venir. Donc, tout ça est intéressant. Là, évidemment, il faudra acheter ce genre d'item. Ça sera intéressant parce que, comme je t'ai dit, tôt ou tard, ces séries-là et même 6.5 vaudra son petit 10 euros de booster, 15 euros de booster. Ça sera atteignable facilement. Et tu l'auras touché tellement bas que ça sera évidemment intéressant à avoir dans sa collection en CD. Ça, je pense aussi. Donc vraiment, c'est fou en ce moment. Les cartes aussi, c'est très sympa. Hein, comme je t'ai dit, hein, des belles cartes. Et pour moi, les cartes promo sont des super items. En plus, elles sont magnifiques. Tout ce qui est AR sont vraiment sympathiques. Toutes les cartes AR. Comme j'ai dit, pour moi, la prochaine qui devrait progresser, c'est la AR de EV2. La promo de l'ETB, elle est vraiment bon marché. Hein. Tu la trouves à 4-5 euros. C'est une superbe carte. C'est une carte qui serait dans des séries. Ça serait des cartes qui seraient hyper recherchées. C'est pas le cas parce que bon, c'est du EV2 et peut-être que l'ETB est encore disponible. Moi, je sais pas. Je collectionne plus les ETB, hein, tu le sais. Ça me prend trop de place et je vais me focaliser là sur une ETB. Je vais faire une entorse à ma règle. Je vais prendre celle de EV8 parce que franchement, je la trouve très très belle. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont déjà commandé une dizaine, une quinzaine, hein, je le sais. C'est assez marrant. Ce ne sera pas mon cas. Moi, je te dis, j'en aurai une en scellé et une à l'ouverture. Mais j'irai plus sur les boosters individuels où je prendrai une dizaine de chaque, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait très plaisir. On va reprendre les vidéos régulières sur la chaîne, même si on ne les a jamais vraiment trop quittées. Allez, ciao, ciao.